Salut à tous! Bon, vous avez déjà entendu parler des normales saisonnières? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que non. Mais pourquoi les températures ne sont jamais normales? C'est soit au-dessus des normales de saison, soit en dessous des normales de saison. Mais c'est quoi la normale? Ça veut dire quoi? Moi je sais. Alors en fait, une normale de saison, c'est un calcul statistique fait sur une période de 30 ans. Elles permettent de déterminer le climat sur cette période et elles servent donc de référence. Par exemple, à Bordeaux, en février, la normale de saison pour la température maximale est de 12 degrés. Alors là, le jour où je tourne cette vidéo, à Paris, dehors, il neige et il fait 1 degré. Donc 8 moins 1, 2, 3... Hey, 7 degrés en dessous des normales de saison. Alors les normales de saison qu'on utilise actuellement ont été calculées sur la période 1981-2010. Bon, environ 30 ans. 29, on y était presque. Donc pour Paris, voilà comment on fait. On calcule la moyenne de toutes les températures maximales pour le mois de février 1980. Puis on calcule la moyenne des températures maximales relevées en février 1982 et ainsi de suite jusqu'à 2010. Et après on fait la moyenne de toutes les moyennes. Et ça fait 8 degrés. Et moi, comme tous les présentateurs météo, je l'utilise comme un indicateur, comme un référentiel. Et du coup, ça nous donne une idée où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'il fait un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froid, quoi. Chose importante, elles sont réévaluées tous les 10 ans par Météo France. Donc elles suivent l'évolution du climat. Elles auront toujours du sens. C'est pas un truc qu'on dit pour faire joli depuis 1920, hein. D'ailleurs, elles seront recalculées cette année, sur la période 1991-2020. Et puis, sur la période 2001-2030. En espérant à ce moment-là que la normale saisonnière à Paris en février soit pas de 28 degrés. Hashtag réchauffement climatique. Oui, parce que la météo et le climat, c'est pas tout à fait pareil. Y en a qui ont pas bien compris. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire. Voilà, donc du coup, vous savez ce que c'est une normale de saison. Alors cette vidéo est terminée, je sais pas trop ce qu'on dit à ce moment-là, parce que je suis un peu nouvelle sur YouTube, donc vous pouvez liker, partager, commenter, ou je sais plus si c'est commenter, liker, partager, activer la cloche, bref, faites un peu comme vous voulez, quoi. À très vite !